Donc, comme précédemment, je fais un nouveau test avec mon OpenVAS. OpenVAS qui tourne dans un conteneur Docker, hein, bien entendu. Hein, je vais le présenter tout de suite et lire les petites blagues. Hop. Tuc, tuc, tuc. Fourni par mon Fortunes, évidemment. Donc, j'ai mon OpenVAS qui tourne, hein, bien entendu. L'un a été lancé en mode shell pour pouvoir démarrer le service, l'autre tourne avec les ports ouverts. Et c'est en train de travailler. Je contrôle la sécurité de ma box ADSL, ça c'est juste pour le fun, de ma station de travail. Du conteneur Docker, parce que comme je suis un petit peu un con, c'est un outil de sécurité, donc je teste l'outil de sécurité au passage. Et puis bien entendu, je fais un double emploi, puisque j'accède aussi à ma station de travail à travers son interface IP virtuelle utilisée pour Docker. Donc on va passer, ça se rafraîchit, ça avance un petit peu, 16% et 12%. Donc on va laisser tourner tout ça, mettre la vidéo en pause, et on revient voir ça dès qu'on a des informations intéressantes. Bon, nous sommes pratiquement à la fin, donc on va pouvoir regarder les premiers résultats tombés. Encore quelques secondes de patience. Bien, reprenons ça. Alors, on a déjà des premiers résultats. Donc je vais regarder évidemment ma local machine, c'est la plus intéressante a priori, puisque c'est une vraie machine physique. Alors, voyons ce qui nous informe. TCP timestamps, SSL, TSL report, vulnerability, cipher suites for HTTPS. Bafouille, c'est pas grave. D'accord, admettons. Ah, ça explique la solution. D'accord. Detection method. Référence CVE. Donc on va aller voir les deux références CVE. Très bien. Bon, ensuite celle-ci offre tous les liens qui correspondent, mais c'est tout. Très bien. Pourquoi pas. En fait, ce qu'il faut vraiment confirmer, c'est Confidential Impact, partiel, Integrity Impact, absolument aucun, Availability Impact, absolument aucun. Donc là, très clairement, c'est pas grave du tout. Faut surveiller s'il y avait des news qui tombaient sur le même sujet, mais c'est pas grave du tout. Alors, je veux retourner voir par contre la deuxième alerte, celle-ci. Sévérité encore plus basse, manifestement. Remote host implements TCP timestamps to the server local computer time. D'accord. Solution. Disable TCP timestamps in Linux and NetIPv4 TCP equals 0 in sysctl.conf. Ah bah si c'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. On va aller faire ça. sysctl.conf.
ligne pas, ce qui veut dire qu'on peut rajouter la ligne de manière totalement brutale. Voilà, faille de sécurité fermée. Donc je vais regarder à présent celle-ci. C'est rigoureusement la même, ce qui est évident puisque c'est la machine elle-même qui héberge Docker, qui héberge ce produit-là, qui se teste lui-même. Donc forcément, l'analyse va jusqu'au bout du process et est donc capable de remonter jusqu'à la machine d'origine. C'est tout à fait cohérent. C'est très rassurant sur la qualité du produit. Donc OpenVAS, ça a vraiment l'air sympa. Par contre, faire le test sur la box ADSL, ça n'avance pas beaucoup, ça a l'air très très long. Parce qu'à mon avis, il y a un certain nombre d'applications qui sont pas forcément très faciles à analyser. Donc on va laisser tourner. Et si je vois que ça avance suffisamment pour pouvoir faire quelque chose de pertinent avec cette information-là, je testerai. Et sinon, ce sera la fin de la vidéo immédiatement après. Par contre, je suis assez agréablement surpris qu'il ait réussi à me remonter des informations, en particulier sur la machine locale, par rapport à ces deux incidents. Donc celui-ci qui était très facile à résoudre, je l'ai résolu. Celui-ci, je n'ai pas regardé véritablement la configuration. Alors TLS V1, je ne suis pas concerné en réalité, puisque donc ça détecte la présence de cette faille parce que c'est SSL TLS le service dans HTTPS. Néanmoins, en réalité, je ne suis absolument pas concerné puisque dans mes configurations, j'interdis l'usage de TLS V1. Donc de toute façon, je peux ignorer ce message d'erreur là. Donc on va quand même patienter pour voir si l'analyse de la box fonctionne. Auquel cas, je ferai un petit commentaire supplémentaire. Sinon, bah, j'arrêterai là la vidéo. Bon, effectivement, ça n'avance pas beaucoup, donc je vais le laisser tourner. Et le cas échéant, si les informations utiles et pertinentes peuvent remonter, je ferai une vidéo dédiée. Juste un autre petit menu que je viens de découvrir qui est pas mal, c'est de voir ici la liste avec l'état. Et si on reclique dessus pour le détail, on voit le statut réel, le temps que ça a mis, quelle date, quels résultats sont remontés, etc. Donc je représente encore une fois les menus très rapidement. Donc on voit que les possibilités sont quand même très vastes et qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec cet outil. Je rappelle effectivement qu'il tourne à travers un Docker, un container Docker. Donc on va arrêter cet outil. J'en ai sans analyser. Ok. Alors il se trouve que par contre cette fois-ci j'ai pas fait attention tout à l'heure, mais j'étais dans une session root quand j'ai lancé Docker. Donc pour pouvoir l'utiliser, je serai obligé de faire un Docker PS pour l'arrêter avec le bon compte. Donc je vais arrêter celui-ci déjà qui ne sert à rien. Celui-ci également, ce n'est pas fini manifestement. Est-ce que ça impacte instantanément? Ben non, j'ai un rafraîchissement.
Et je n'ai plus du tout besoin de mes services de cœur, donc je vais l'arrêter pour économiser la RAM. Hop là. Allez, si j'obtiens des nouvelles, je testerai une autre fois le test sur la ligne, sur la box ADSL. Et le cas échéant, si ça devient pertinent, je ferai une vidéo dédiée à ça. À bientôt.